Bon bagay Haïti media on yo, la police nan États-Unis, plus précisément nan état Floride, maré Alexandre Boulos en pile moun ta fait quoi? C'est ta petite garçon Boulos. Yo arrêté monsieur après yon policier qui t'a fait patrouille à pied en dans en mol remarqué Alexandre Boulos descend pantalon en présence en paquet timoun. Monsieur commencé rale tol pinan et puis l'a joué avec lui, c'est-à-dire l'a bat LP. Gen ti moun k'ap tande m pa vle trop exagérer, ça que les la pompon. Mais monsieur commencé à mastiber tête li en présence ti moun yo, policier k'ta fait patrouille ki wè ça, rapide vite li couri relé yon moun ki te avec li. Non pa on capable di on frère d'am li, yo vini, yo arrêté Alexandre Boulos. Mais qui sa bagay la ye, depuis les nouvelles ça li rive sou rezo a, c'est pas des calonnés, yo pa calonnés Reginald Boulos que nous tout connaît qui passe des présentations dans pays d'Haïti. D'ailleurs monsieur c'est youn gros autobri dans secteur privé a et nan cause politique tout, monsieur gen gros influence. D'ailleurs il te gen MTV, est-ce que comprendre, il te gen plateforme politique parle et il te même aller sur route pour porter quand alors pour tal et mettre le candidat pour venir président pays a. Mais par rapport avec assassinat Jovenel, monsieur font recul. Et ben qui ça bagala ici a ou connaît déjà, nous pas là pour créer buzz, nous pas là pour faire sensation, nous là pour une bonne précision, bon gens information. C'est ça qui est lié. Et bien Alexandre Boulos que nous tendez la police dans état Floride arrêté en dans mall pendant la bat la pompon, n'est pas gain rien pour ensemble avec petit garçon Reginald Boulos là. Oui, Reginald Boulos gagne un petit garçon tout qui relé Alexandre Boulos, mais c'est pas seulement Alexandre là, il gagne Alexandre Reginald Boulos. Comprendre qui c'est un docteur. Heureusement pour Reginald Boulos, Alexandre y a parlé à c'est Florida, yo arrêté. Pourtant petit garçon Reginald Boulos à lui-même, il pas vivre en Floride, la vie, au moins non l'autre state, selon détail, selon information qui me gagne, qui donc Alexandre Boulos, qui a arrêté dans l'État Floride, parce que la mastibé en présence, on paquet Timoun, et ceci, en dans un mall, eh bien, c'est pas petit garçon, Reginald Boulos, là, qui doute. Ça, li important, intéressant, pour me porter précision pour nous. Ça va être alors, ça va impossible, non? Pour petit garçon original Boulos pas de café ça. Ça fait me dit pas impossible parce que gien quelques fois papa ou gien des séries de madichon nan dado. Même si c'est pas petit là qui indexé dans sa pays d'Haïti journée jodi a c'est pas pal, mais pas oublier les papas font bagay ou capé en tant que petit ou capé jusqu'à 3e jusqu'à 5e génération. Et vous comprenez ça qui arrive frère pour valer et me capable dit madichon original Boulos gien nan dadal. Ça qui arrive un petit garçon qui ca foncer comme ça vrai oui. Mais puisque c'est pas petit garçon qui fait, c'est juste on bagay moi dit oui il était capable faire, mais si m'ai information m'pa ka vinn n'ap m'ap fè diversion, m'pa ka vinn n'ap m'ap fò tande so envie tande so t'ap renmen an. Non, c'est information pa gen wété pa gen mété, m'ap juste baoul Jean Lia. En tout cas j'en entendé assez ça ba yo compliqué et jeune garçon qui est Alexandre Boulos là, mais c'est gen seulement 28 l'année et m'kwè premier petit, alors petit garçon Reginald Boulos qui docteur qui est Alexandre Reginald Boulos là, m'kwè c'est pi âgé que tout ça. Si mes bon m'a fait me défaut. Bon, ça était important, intéressant pour m'te ba nos précisions, hein? Mais qui t'a informé nous mes chers amis pour commencement week-end ça là, bandit Tibois d'homme nek sa au fond massacre dans 3e section Terre-Neuve dans localité où il est Lagon, même m'a regardé monsieur nek sa au baïke même. Et si Garico ni pense le mouté là, c'est faire photo, c'est et on fait la vie on dit de faire navette pour mouté mon bachi t'a travail, ça au beaucoup arrivé sous moi. Et moi-même, j'en paye à y'a là, nous n'avons pas d'indigence, nous n'avons pas besoin de jouer moi-même. Comprenez bien? C'est rentrer, on monte automatiquement dans le travail, c'est ça pour faire. Parce que j'en bagay yo pral la si tout dans zone de province, bagay yo totalement compliqué. Eh bien, dans la 3e section Terre-Neuve, m'a dit nous, dans zone Lagon, gagné en physique. Ah, c'est m'gal non, ça sont massacres qui lié. On massacre, nek ti bwa dom yo vini, yo fait dans zone nan, yo touye grand moun. M'a regardé gon grand moun nèg yo rache bote grand moun nan babal, m'a regardé l'autre encore nèg yo rache bo vote tout tripli deyò, yon femme nèg yo coché ensemble avec manchette tout visage écrasé en bas coute manchette, m'a regardé un petit moun, un petit bébé nèg yo pa épanier nan massacre si là, et gen plus que 11 douzaine kay nèg yo met dife là-dedans yo. Qui ça nèg yo te vinn fè nan zone nan moun nan zone yo? Bon détail, c'est yon professeur l'école
Nego te vini, ba la passe nan nuit, ça m'a dit nous là, vers environ 10 ans à soir, oui. Nego débarqué dans localité Lago, dans 3e section Ténève, pour vinn faire massacre si là, oui. Yo vinn derrière, yon professeur l'école pour kidnapper. T'assemblé, yo pas joindre professeur, mais y a là avec un paquet l'autre monde tout, oui, c'est non détail qui me gagne après massacre là. Nego tiré plus que 10 moun, nego boulé plus qu'on douzaine caille, nego blessé en pile moun en bas coup de balle. Et malheureusement, pour qu'on comme bagaille en province, mais surtout dans zone ça yo, pas gain en présence la police. Vous êtes des amis de bien, pas gain présence la police qui donc moun yo a souffri. Et jusqu'à présent, moun yo sous choc, le au fin ouais nan nuit ça pour nèg et ti bois d'homme yo débarquer pour tuer tout moun ça yo dans zone Lagon qui sont venus rescaper ou même qui sont venus qui ont fait moun qui sauver des justesse yo les rescaper qui sont au penser au capable faire le nuit la privé sous yo est-ce que c'est y a gagné en tant qu'unité d'esprit vrai pour t'arrêter dans zone ça en tout cas moi même j'ai pas yo aller là et qu'on ça mit nèg en chubrette j'ai besoin là m'pa kabaoul qu'on ça m'a baoul Jean Lia les ça me dou bien PIA, nous ne pouvons pas parler français. Nous vivons dans un moment là, c'est fait action. C'est pour ça que ça faut ouais, commissaire Miskaden. Ça faut ouais, commissaire Miskaden parler sur réseau, c'est parce que une série de médias qui remet travail commissaire Miskaden. L'elfine font botte sur un gang. Ils obligé ouvrir micro pour entendre intervention commissaire Miskaden. Est-ce que vous comprenez? Mais monsieur plus travail qu'il parle, oui. Est-ce qu'on connaît commissaire Miskaden? Il pas seulement chita dans juridiction. Commissaire Miskaden dit c'est on coûte mais la baille pour payer en soi pour toute zone qui dans entourage Miragwan. Monsieur fait botte sous nèg dans si lui pendant Ronald Richmond a dormi la caille lui. Côté ça me dit bien, a dit pour montrer nous si gagne un ministre justice qui monte là, si gagne un nouveau DG la police qui vini là, si gagne un nouveau ministre intérieur qui vini là, monsieur nous pas qu'à griner dedans. C'est mettre pied nous à terre, c'est concerter, dégager pour nous ton complot, pour nous gagner cervelle tout bandit qui a des problèmes sur le territoire haïtien. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, zone de province pire d'attente. Vous entendez? En tout cas, j'entendais assez ça, bagaille compliqué, bagaille vraiment grave, mais tout annoncer nous là tout, c'est le détail, c'est l'information qui me gagne. Gagne commissaire Akin qui c'est Adrien Exama, monsieur il est en mouille pour la justice dans la juridiction là parce que pour lui-même, il senti à chaque fois il font gros travail ou bien il font coup de filet, il arrête un gang, il arrête un criminel dernier état. Pour lui-même, il met criminel là dans prison. Après 2-3 jours, qui est ça le croisé sur lui encore? Même nègre, il te fait filati pour te prendre. Et c'est un filati pas facile, mais il te arrivé gagner combat quand même. Eh bien, ça venait le laver, mais si y a terre, l'offre prend nègre maintenant en prison. L'élevé devant juge, avocat mandé, yon habeas corpus. Et puis, sortant de rapide vite, l'argent fait, mais c'est libéré. Les ça, au vin fait que travail, commissaire même la fait dans la juridiction, pas gain valet. Eh bien, Adrien, et Exama, monsieur dit lui-même, lui révolté, lui mandé ensemble avec juge qui dans juridiction autant pour souple, pas cracher sur travail qu'il a fait, un travail qui risqué et monsieur même prévoit pour rentrer dans même logique, dans même format avec commissaire Miskaden. Et monsieur commence à entrer dans logique là, déjà il y a des nèg qui fait voile pour payer son chapeau, des nèg comprendre qui était tellement à bail problème dans zone les oranges. On prend avant pour un cavaillon, pour mon département Sidio. Si même on pas faire défaut, et monsieur qui est entouré des nèg qui toujours sur route là sorti après-midi, sorti dans nuit pour venir camper machine, pour venir fouiller machine. Et bien, quant à pour commissaire Exama Adrien, monsieur pas non j'étais avec nèg yo d'elle dit pas arrestation encore parce que l'a arrêté son temps perdu après 2-3 jours nèg la bravo ka ou gen l'argent fami yo pas vle gang yo nan prison sortant de ya moun nan dehors il pral continuer bay même problème avec et commissaire bon gen nan gang commissaire ta arrêté déjà le monsieur apprend et gang nan la ri gang nan rele commissaire dit si c'est pas pour maman qui était dans mayo qui était dans zone là li gen assez armes pour te gay sevel tout nek ki nan équipe commissaire Adrien et même commissaire. Est-ce que vous comprenez bien? A dit nous gon problème nan justice là pendant gon groupe moun an dan appareil judiciaire haïtien kap essayer coder gon l'autre même kap décoder. Pendant gen on kap essayer fermer porte là gen on ni même kap bat pour casser série pour porte là toujours retrouver. Est-ce que vous comprenez bien ça m'abdou? Qui donc nan sens ça commissaire Adrien lui-même li parler pour demander tant pis souple mes chers amis, on prend moun ki composé appareil judiciaire nan juridiction Akin pas faire ça. L'autre Delphine pour nèg metil dans prison c'est jugé nèg là c'est gain information clé sous nèg là c'est un zaké qui donc jugé selon ça la loi mandé et entre-temps qui t'aime tout dit tout selon détail que nous gain là gagné Juno Duvet
alias Lamy, qui a 27 l'année, et commissaire Ronald Richemont font bot sous monsieur, il arrêté monsieur, monsieur qu'on opéré dans la zone 16, comprenez bien, oui, c'est là où dit monsieur qu'on fait en pile des autres et comment zone ça est encore bon zone ça li échappé mais faut me dire nous débici on va dire comme ça bon en tout cas c'est dans zone 16 comprendre bien oui que commissaire Ronald Richemont t'a wal kembe monsieur parce que monsieur c'est une nèg qui a opéré sur route là et bien commissaire après monsieur mettait en côté machine pas frapper même c'est en prend pile love en pile affection en pile tendresse en pile caresse j'aime pas bon mentor malgré monsieur gon zam ni pour remettre avec le commissaire Ronald Richemont li dit zam là même madame ça m'a dit nous en pile fois l'autant de yo arrêté on gang nous prend poste que madame gang nan kay panier en kay panier kounya pou mwen tout prêt là pour l'argent que m'a touché dans travail moi l'était konn ki ça l'argent ça ka fait ki ça ka régler si mouton budget en kounya là on seul coup mwen rete sans augmentation mwen gagnen et puis li wè mwen commence à offrir belle grande machine là dans maison moi même tout m'a prendre une pour moi n'a pas acheté kay par contre côté comme ça a sorti. Et où elle ouais chaque semaine m'a bien passé mais par contre pour venir l'argent juste prend sans le prendre temps pour le gagoter qu'on y a la police arrêté qu'on y a un truc pour être dit par contre rien moi m'a dit la police pendant dit par contre rien casser tête lui comprend bien l'argent était conduit pour le boucher là j'ai demandé côté côté me déconne l'argent ça non elle connaît ça elle bat dans niveau ça en tout cas bah yo compliqué bah yo grave moi même c'est ça qui est capable dit nous commissaire Miskaden mi ça font bon travail et m'pas ouais pour qui ça on nèg qui voulait ba un coup ensemble avec Payil pour pas rentrer dans même lignée avec commissaire Miskaden aussitôt le faire ensemble avec sens du professionnalisme en façon pour innocent pas payer pour coupable mais pour travailler lui-même est capable fait comme ça doit yo le petit nèg en tout prêt voir information comme ça très bien déjà l'important même qui gagne un business ou voulez me promouvoir pour bon belle plateforme là ou gagne en doléance quelconque ou t'a aimé moi fait passer pour même mal enquêter l'offre dit mec ça va galérer sans problème ou capable écrire à travers WhatsApp dans numéro ça qui c'est plus 1-809-786-81-20 plus 1-809-786-81-20 pas oublier non parler même c'est écrit pour écrire sur WhatsApp aussitôt nous écrit et moi même m'a fait nous réponse à temps. Fait une belle intervention que moi-même décidé pour que naturellement l'intervention que monsieur fait et qui en pile monde estimé qui sont belles interventions et docteur Kony monsieur a estimé que monsieur fait une belle intervention que moi-même décidé pour que naturellement on partager ensemble avec nous. Nous prenons le passe pour t'entendre, docteur Kony. Faut que nous commençons à marcher sur le chemin de l'État. Maman, nous. Je crie Haïti. Haïti, elle aime, même moi. Il y a une petite parole qui dit. Pour mettre Haïti Jean Lier, lui bon pour 101 maladies. Pour le moins respect que j'ai pour le pays, depuis que j'ai commencé à avoir un esprit, c'est un grand honneur pour moi, pour me porter coller dans le soutenir, pour me tourner camper sous pied. Pour nous faire ça, il faut que nous commençons à marcher sur le chemin de l'État, qui chita sous droit, à justice, démocratie, et développement. Je commence à dire merci à tout le monde, tout le groupe, à One Baden. Que ce soit la société civile, ou soit tout l'autre côté, qui te recommande ma soutenue candidature pour poste Premier ministre. Choix ça a montré, vous avez confiance dans moi. Et moi, je ne vais pas faire de honte. Attendez, ça me pote l'an diakout, mais j'ai choisi dans mes temps 4 autres compatriotes qui ont un pire qualité à mérite tout. Est-ce que vous entendez bien, mes amis, frères, mes amis?
nous pas de cacher maladie pays a maladie nous faut que nous reconnaître qui pas porter le bien même nous façon et nous faire une façon pour nous chercher remède pour lui là italie a faut que nous chercher plus bon médecin feuille à plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance ça pas suffit. Faut que nous bon tout la volonté nous et faut que nous bon tout l'honnêteté nous. C'est vrai depuis le créé pays a toujours un bouleversement politique. T'es toujours un plus fort monde dans la population, yo te mettez dehors même l'œil dans pays a. Groupe monde qui pire a souffri généralement c'est paysan nous. Toujours un problème social. Mais je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société nous a gagné net. Les gens ne vivent dans la paix. Les gens ne peuvent pas circuler libre et libre. Si les gens ne peuvent pas à l'école, les machins ne peuvent pas vendre produits pour prendre soin de la famille. Les bandits a marché tout yé, moun lè yo vle, jan yo vle. Ça fait moun pas ka vivre dans pays a. Seul l'espoir jeune nou yo, c'est quitter pays a pour yo parti. Même lè yo konnen l'autre bò pa douce, pays étranger pas paradis, yo di ou, y a ka jwenn travail et puis vivre tranquille, ça yo chèn social là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. Yes. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État,
Par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple. Alors, je vais rappeler que nous avons le Premier ministre de facto, Gary Koni, qui est dans la cérémonie d'installation, alors gouvernement là, qui a pris la parole et qui a fait discours ça. Mais je vais rappeler que je pense que, bon, naturellement, tu as un étranger là, des gens qui, franchement, et code diplomatique là, whatever, groupe moun nous connaît. Bon, franchement, mais dans le pays moun sa yo, il ne va pas aider langue pour Haïti, faut dirigeant et parlons langue pour étrangers. Après ça, il faut dire des grandes paroles pour moun, pour quelques grandes moun dans le pays d'Haïti. Pour quelques grandes moun. Mais nous avons discours en Haïti pour les haïtiens. Nous rassurons que nous faisons 90% de discours en français. Par contre, pour qui est-ce que nous parlons, pour qui peuple nous parlons. En outre, le docteur Gary Koni qui a quelques interventions qu'il fait en créole tout. Mais en pile dans le discours en français. En avance, Dr. Gary Koni à l'appareil. Pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui. Notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des trois policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Bon, vous dites lâchement assassiné, mais je pense que policier Itag, yo papa, a été chargé, c'est la vie. La vie, oui. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprendrons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de... Je vais retenir ça, faut m'attirer attention sur ça. Premier ministre Gary Koni dit tolérance zéro dans affaire corruption. Gary Koni qui est beaucoup de côté lié là. Ou bien monsieur. Et PM là. Comme discours ça, yo. Peuple attendait en pile. Il va faire peuple ni chou ni fret. Nous attendons en pile, vrai, oui. Ça va prendre. Il va faire nous ni chou ni fret, vous tout bon, non?
Et en tout cas, tolérance zéro dans affaire corruption. En tout cas, docteur Koni, bam kito balé, bam pa coupé. Vas-y, peuple après commenter là. Alors nous ka commencer commenter parce que naturellement connait nous gain pile pour nous dire là. En avance. Responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation.
Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que les pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Ok. Pour soleil la vie, n'ta et bada. N'ta et bada. M'a dit nous, ça a fausse conviction. Et bon, PM n'a pas fini toi en forme. Et il a déjà soufflé. Je connais. Et je pense que M. l'a supposé organiser lui pour que. C'est même la vie. Pas rien qui est plus important que la vie. OK? Peut-être monsieur qui a une volonté réelle, m'a dit ça. Monsieur peut-être capable une volonté réelle pour le travail aider. Mais cependant, faut qu'on campe, faut qu'on doubout. Bon, dans le langage grand ma moi et paysan mio, faut qu'on doubout pour camper pour d'avoir faire face avec défi qui ou dit que tout nous tout connait faut qu'on en santé on nous continue étendre des glaces au PM non mais nous voit que monsieur pas fin au monde qui trop en santé en avance on capable souligner ça et un peuple qui fait l'histoire le monde changer nous c'est pas mis gros peuple sous la terre c'est petit petit mais nous pas petit depuis peuple là qui est fier té livre. Depuis que nous avons force à dignité, depuis que nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, nous avons arrivé loin. Pour moi-même, je vais nous garantir que je suis paré pour me gommer. Pays a tout paré pour me gommer. Pays a tout le monde pour me courir au conseil présidentiel. Là, le travail a fait pour tout haïtien qui vive à cœur posé. Dans un pays qui est uni, qui a une sécurité, côté nous tous ensemble, côté collé, pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frem, Sem, Haïtien, tout partout sous la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour me remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, t'es voulu faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Femme, jeunesse, là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça capable pour nous faire lumière, vin lumière, pour nous faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole au poète René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que. C'est parce que l'inspire l'amour et lui fait croire que pas rien qui est impossible, le nous mettre tête nous ensemble. J'éprouve un réel plaisir à procéder. Voilà, c'était docteur et Gary Conny, actuel premier ministre et pour gouvernement de facto et qui te prend la parole dans la cérémonie d'installation de côté que alors m'a souligné ça, c'est extrêmement important. Côté que d'après ses voix, lettre d'ampliation. Ampliation et c'est ça. Et qui sont preuves tangibles qui montrent que Rosemont Jean te gain raison, ok? Le Rosemont Jean te dit non, Ariel Henry, c'est Badjo te voulait prendre ampliation en dedans caï président le Badjo t'a touyé président. Il dit ouais bagaille là Ariel comme un cotoyer
États-Unis, vous connaissez aucun beau dossier Jovenel Moïse là, aucun beau pour les garçons. Ou pas pour l'Haïti, il y a pas de dossier là, on a trouvé président pour tout bon. Et quel que soit Jean, ça y est, aïe aïe aïe. Nous comptons de causer. Moi-même, dossier Jovenel Moïse, ça, nous avons kembe pendant 35 mois. Maman petite, mette comment c'est ma revente. Maman petite, si Jovenel Moïse, c'est ton petit monsieur Sangado, nous mettons rete, croisez bras nous, pour un plaisir. Mais Jovenel Moïse, ça, nous avons un problème. Nous mettons fait 3 ans, Bambi les gagote. Et tôt ou tard, Abraham a dit c'est assez. Parce que, Diblozé a l'agé pour le fini. En outre des présidents, Koulev 7 traite là, plus 2 traite, Fenef traite là, et Edgar, et oui, Gadi Leblanc, Edgar Leblanc, fils, qui te prend la parole tout suite après, et PM Gary Kony. Entendez, Edgar Leblanc. Au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Kony, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans les aires protégées de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Hypocrisie totale. Hypocrisie totale. Et c'est ça qui finit avec la société haïtienne. Gary Kony, Premier ministre, mandé une minute de silence. En mémoire, 3 policiers UTAG qui assassiné en dedans Solino et Delma 24. Mais par conséquent, yo pa jamais dit nèg k ap vann zam avec balio pour qui ça va continuer vendre dans pays ya. Yo fout nan Pétionville là. Et c'est yo même qui dans secteur privé des affaires là. Yo pa jamais questionner nèg sa yo k ap vann nèg sa pat la zam nan. Nou pa jamais résoudre problème nan. Hypocrisie totale.
Edgar Leblanc a pris une minute de silence. Hypocrisie totale. Oui, comme si c'est ça me raille la caille. Bonne vermine, ça qui cause nous que Haïti pas jamais sauter dans ça. Tout autre que c'est mal propre, ça y est, qui a venu diriger dans le pays d'Haïti. Et c'est seul qui fait que tu as fait. Malheureusement, nous avons peuple Port-au-Prince.